de TBPL au bout d'un moment où c'était un petit peu trop compliqué, et on a eu du mal à gérer ces héros, ce qui a permis à Fnatic de remporter une victoire après une toute première game qui était pourtant bien difficile pour eux. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire sur la game numéro 2? Tu nous as dit Krubik Titan, toi tu ne mets pas du tout comme ouverture de draft, a priori Fnatic eux aiment bien. Ils sont contents de l'ouverture de draft, Rubik Titan. J'ai envie de dire bien joué à eux, hein, mais c'est pas ouf, hein, c'est pas. Ils ont perdu leur lane et pourtant ils continuent là-dessus. Super ta lane et que tu gagnes la game. C'est vrai, ça remet tout en cause, hein. Ça remet tout en cause, tu peux très bien dire. On a perdu nos lanes, mais c'est une stratégie bien plus maligne que ce qu'on pourrait croire. Écoute, on va voir si ça va être le cas ici. Pas beaucoup de variations, mais quand même un tout petit peu de la part de VP. On va échanger le Bane d'Arstyle contre son ancienne apparition. De nouveau, leur Spirit de Lille sera sélectionné en deuxième. Et on continue de faire des ouvertures au double support en sens BO. C'est ça, c'est la troisième game, je crois, où on a une ouverture Ouais. post-4-5 versus post-4-5. Est-ce que c'est des équipes? T'as peut-être regardé un peu plus le tournoi. Elles ont beaucoup fait ça, les deux équipes, dans le tournoi. Moi, j'ai vu pas mal d'équipes dans ce tournoi faire ça aussi. C'était pas vraiment le cas dans les tournois précédents que j'ai castés, et dans les premiers tournois de la 7.07. Mais là, on revient, j'ai l'impression, sur une méta où tu double pick support au début de la partie. Ouais, au début, c'était un support et un offlaner en général, enfin un core. Ouais, non, c'était tout le temps ça. Là, on prend des choses plus génériques, c'est-à-dire moins game breaking, dans le sens où c'est pas des positions 4 hardcore. Bon, il reste Earth Spirit toujours, hein, parce que ce héros est complètement Earth Spirit, mais il n'y a plus trop, je sais pas, les gros trucs qui roulaient. Enfin, Nightstalker est ban, mais il y avait Slardar, Sand King, compagnie, là, ils sont un peu plus délaissés. On prend des choses un peu passe-partout, Ouais. je pense. Qu'est-ce qui a amené ça, tu penses? Est-ce que c'est parce que le changement sur la map, de ce fait-là, le roaming est un peu moins intéressant, début de partie. Globalement, pourtant, On on les voit veut. beaucoup bouger, ces duels de support, tu sais, enfin, même si elles sont là au début de partie, elles ont tendance à pas mal se balader sur la map, quoi qu'il arrive. Sais pas trop, c'est. Ouais, pas trop de dire, moi je joue pas trop les supports de position 4 qui ont disparu. Je pense que c'est juste parce qu'ils gagnent pas assez d'XP en fait pour continuer à être position 4 comme ça. Faut que ton support fasse un peu tout. Tu le prends au début et il gérera à peu près tous les corps en face. Plus de la versatility, moins de grosse puissance, on va dire, sur un support, hein. Moins un gros ganker. Le A, c'est quand même pas mal commit, quand même, comme étant un héros anti-régénération. Ouais. Ah, c'est marrant parce qu'il arrive vraiment tôt cet A. Après, bon, c'est très très fort actuellement, il n'y a pas de problème. Hein. Les petits changements sur le call feat fonctionnent très bien sur le héros. Les changements sur le chain touch fonctionnent également très bien. Et ça va être la Luna, le premier héros core côté Fnatic. C'est marrant quand même d'annoncer. Est-ce que genre tous les autres carrés du jeu ont été bad ou même pas spécialement? Peut-être qu'il nous cache une petite build à la Ryze de Luna des Sorts. Lunaga? Ah, peut-être. Parce que c'est Eternal Envy, la puissance de l'animé, comme on dit, hein, Weeb Forever. Ce qui est à peu près sûr, c'est que ce héros est un héros dans l'optique de Medusa. C'est-à-dire c'est un héros qui est là pour farmer très vite. Et c'est intéressant parce que ça farme plus vite que d'autres héros. C'est pas intéressant parce qu'en 1v1, sauf équivalent, ça ouvre quelqu'un. Ça casse bien les bâtiments dès que t'as cassé la T3, mais c'est vraiment pour farmer très vite au début. Tu prends de l'avantage et avec cet avantage, tu crucifies la game. Ouais, alors je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Par contre, est-ce que t'as vu ce que VP vient de pick pour jouer Ouais, contre ils cette prennent le Luna? Shadow Demon. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est que c'est un Shadow Demon Core! Bah ouais. Ou alors à Accor, mais moi je pense que ça va être SD Core. Hein. Easy Shadow Demon mid. SD mid no one? Ça se jouait à une époque hein, SD mid, hein, au tout début du héros. Enfin, comme beaucoup de héros en fait, tu me diras, ils ont tous quasiment été joués mid à un moment ou à un autre, mais avant de terminer en support. Ouais, Shadow Demon. Alors, peut-être que Fnatic s'est dit, bon, bah voilà, ils ont pris l'heure de support, on n'a pas de risque de jouer contre une Luna. Malheureusement, quand tu es face à une équipe comme VP qui est prête à faire n'importe quoi sur les picks, eux, je pense que jouer un Shadow Demon Core ou un Accor ou un Earth Spirit Core, ça leur pose pas trop de problème.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. A priori, Pacha a joué un SD Core il y a 2 jours aussi, donc ça peut être SD Offline. Peuvent potentiellement décider de placer. On va voir ce que ça va donner. Tidehunter, pardon, de la part de Fnatic. La sera leur offlaner, ils l'ont donc a priori à mid. La Medusa, elle ne sera pas entre les mains de Fnatic, contrairement à une bonne partie des games de ce tournoi. Mais côté VP. Alors, personnellement, en game, certes normal, je suis tombé contre un Shadow Demon offlane et ça fait mal. Ça fait Ouais. très mal, il a énormément d'XP. Five Si, en général, il gagne sa ligne contre le support, quoi. Il le détruit. Et enfin, il tue n'importe qui, quoi. Enfin, Shadow Demon avec du stuff, ça tue n'importe qui. suis d'accord avec toi. Surtout des levels, plus que du stuff, peut-être même. Ouais, des levels, en effet. Il faut quand même avoir un pool de mana pour pouvoir utiliser pas mal de poison. Ouais. 10 seconds remaining. Oh, puis t'es pas contre des petits items, hein, un petit Aetherlands, si tu veux me faire Kaya, des petites choses comme ça. Si à un moment t'arrives à sortir un Naga, c'est vraiment godlé sur le héros. Et le last pick. Le last ban, pardon, dans un premier temps. Qu'il nous reste à placer côté VP. Qu'est-ce que tu bannes comme mid ici? Tu joues avec une Medusa, avec pour le moment 3 héros qui sont plutôt de type support. Un machin qui nuke un peu peut-être. Genre une Lina, quelque chose comme ça. Mais Fnatic, c'est pas trop le genre de héros qui joue. T'as pas énormément de lockdown, donc je pense que t'enlèveras un storm. Oui, ok, ouais, très bien, je suis complètement dans cette idée. Parce que ouais, t'as quand même le silence d'Earth Spirit, mais t'as pas de gros contrôle, quoi. En bas de OD, est-ce que le morph est encore disponible? Non, pas du tout, il a été banni en première phase par Fnatic. C'est juste pour éviter de se faire trop contrer par Medusa, enfin sur la Medusa. T'as toujours un SD toi de ton côté, qui en plus a un SD Core, donc tes illusions ont quand même un petit peu d'importance, tu vas éviter de trop les feed. 10 seconds remaining. Dans la speak côté 5 VP, seconds qu'est-ce que remaining. tu prends? Encore un héros utilitaire et t'essaies de jouer vraiment un gros 4 plus 1 autour de la Medusa ou tu penses que plutôt un deuxième corps serait. Enfin, un deuxième vrai corps serait plus Il à propos? reste toujours Razord intéressant. Si tu veux pouvoir jouer autour, mais il faut plutôt privilégier un héros, je dirais, qui peut faire de l'espace. Peut-être un Brewmaster, une chose comme ça. Alors ta Medusa sera mid, si ton Shadow Demon c'est pas Shaofflane, il te faut un espèce de Carry qui quand même peut back up, enfin peut faire de l'espace. Ouais, il va se retrouver contre une Luna également en late game. Oh, il est pas évident à chercher à trouver sur la speak. Un TB peut-être? Bah après t'as TB plus 10 TB dans ton peut équipe quoi. toujours. Ouais. Ça c'est un peu plus chiant quoi. C'est vrai que toi-même tu dois pouvoir prendre le Storm même s'il si lance safe lane. Tu vas aller chercher Razor. Je vous avais parlé un tout petit peu avant. Très bien, ça reste pas mauvais, hein. T'as toujours le link sur la Dusa qui reste sexy. C'est un bon safe laner contre Tidehunter globalement. La question étant maintenant, que prends-tu si tu jouais entre les mains de Fnatic? Que vas-tu chercher en mid laner pour jouer contre Je cette prendrais quand même, Medusa? je reprendrais le Storm, je pense qu'il est toujours très bon là. C'est vrai que t'as toujours pas de contrôle. À ton contrôle, seul contrôle, Rester Spirit, quoi. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus. Ah, je suis curieux de voir et de savoir ce qu'ils vont prendre. Je reviens, je prends juste 30 secondes, file. Je vais me Pas de chercher un truc à problème. boire, j'arrive. Là, t'as toujours le PL qui est pas trop mal également et tu peux, enfin, y a pas beaucoup de contrôle. Tu peux mana burn beaucoup de monde. Et c'était leur stratégie contre Medusa. Certes, ils ont plus la Weaver ce coup-ci, mais t'as toujours le mana burn du PL avec la tankiness du PL qui te permet de contrer le speed shot Medusa. Ouais, c'est le PL encore, on joue confort avec PL d'Abed qui a été beaucoup utilisé, qui est un peu le contrat d'USA qu'utilise Fnatic. J'ai l'impression que je suis un génie pour savoir call tous les picks qu'il y a à l'avance. Très clairement, je vais faire une carrière en tank de 20. Je vous propose magnétiseur de 20 à distance.
Si vous avez des problèmes, je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait de la pub sur le chat, donc moi aussi je fais de la pub sur le chat. Si jamais vous avez des problèmes, vos concours, etc., magnétiseur, devin, à distance, je suis là pour vous. Est-ce que tu Donc, peux... Vas-y, excuse-moi. c'est bon, Ok, t'as j'ai fait fait ta ma pub. tirade. Est-ce que tu sais guérir genre les rhumes qui durent depuis un petit moment, les qui Alors, coulent, oui, maux de alors, gorge et mais il compagnie? faut que virement PayPal, tout ça, magnétiseur facile. Très bien. C'est bien entendu après, après effet, le virement. Après résultat. Non, bah non, tu payes avant, je peux pas canaliser mes énergies. Ah, tu canalises ton énergie via le PayPal? Via l'argent du PayPal? Bah, une fois que je reçois l'argent, c'est de l'énergie capitaliste. Donc s'il n'y a pas de capital, tu peux pas utiliser l'énergie capitaliste pour soigner les gens, quoi. Et... Tu fonctionnes à l'énergie capitaliste, toi, Mais Fia. oui, mais oui. C'est important l'énergie capitaliste. C'est ce qui permet, voilà, de fonctionner au meilleur de sa forme. Ah, bah écoute, j'en ai pas beaucoup en ce moment, je crois. Ah! L'énergie capitaliste? Ah bah écoute, vu quand je suis malade. Ah bah... Donc les viewers, vous avez compris, hein, si vous voulez pas que je meure, faites des dons sur PayPal, merci. Faites des dons capitalistes. Totalement des dons pas capitalistes. Bon, on va voir cette game, ce que ça a donné en tout cas. Fnatic contre VP. Peut-être que vous êtes là, vous vous demandez c'est quoi cette game, pourquoi, comment, etc. Et bien c'est la finale en BO5 de The Summit 8. 120 000 dollars pour le gagnant, 150 points également pour cette saison 2017-2018. Et VP qui va peut-être partir en smoke. On en a une derrière sur la A. Oui! Va être la smoke. Et peut-être que Paladin va l'avaler cette smoke. Pacha, on est loin, le roulé-boulé qui connecte pas, leur Bob Venom on n'en a pas non plus, de toute façon on trouvera pas Eric Flick. Paladin est trop rapide avec ses bottes. Va pouvoir s'en sortir suite au reveal de cette smoke. On retourne se planquer. Parce qu'on a vu l'île là-dessus, il a été ping. On va attendre le timing des bounties. On sait très bien que les individus sont attirés par le capitalisme des bounties. Peut-être qu'ils font ça juste pour soigner. Exactement. Voilà, peut-être que Babouchka. Non, même. Si c'est Babouchka, non, je ne sais pas. La grand-mère en russe. C'est pas Oh bah Babouchka. moi je parle pas cette langue. Hein. C'est vrai, tu fais pas ça? T'as pas fait Ah russe non. LV2 avec Pacha le 60 ban du d'Ota? tout style! Bam! Allez! Pacha qui veut une rune, Ramsès qui prend une rune. Il aurait Ramsès qui presque aura une pu faire comme deuxième tout à rune. l'heure, aller en chercher une deuxième. Hein, Pacha Bam! Ramsès de rune, et win TP tout le derrière. monde. Hein. Oh là là. VP très clairement capitaliste. Bah ça a pas gagné, c'est peut-être la bonne nouvelle. C'est la game précédente, rappelle-toi, ils avaient ramassé 4 bounties. Donc ils étaient C'est encore vrai. plus capitalistes que dans cette game, et ça leur a pas, ils l'ont pas emporté au paradis. Pourquoi ça va être une trilogie ennemie apparemment? Hein. Ah bah écoute, Alors, avec le Chain Touch... Chilling Touch sort OP, il faut le rappeler, hein. Sort OP, c'est pourquoi on lui met 50 secondes de cooldown. ça a l'air de plutôt bien passer pour le moment. Pacha au top. Je vais jouer un petit 1v1... Un petit 1v2 même, hein, contre Paladin. Le monsieur Ouais, il va avoir de Eternal l'XP. L'avantage quand tu joues un héros comme ça, qui est pas un héros habituel, c'est que tu peux surprendre en fait. S'il passe niveau 3, niveau 5, avec les dégâts de poison, il peut surprendre et récupérer des kills intéressants pour lui. Envy. Kabet, il en a rien à faire quoi, il se fait right-click par des gens en mid, j'ai pas l'impression qu'ils prennent de dommages quoi, pourtant il n'y a plus de PMS hein. Okay, il s'en sort plutôt bien sur sa mini. Est-ce qu'il nous rend compte sur la dernière lane? Un petit duel entre OIO et Nowan. Bon, normalement, le Razor devrait pas trop avoir de problème. Le Razor de Nowan, je suppose. Ouais, c'est pareil que la ligne d'avant. Ils jouent la même ligne, eux Ouais, c'est bien. Il faut match la revanche, quoi. deux. Ouais, mais la revanche sera pareil que la première, je crois. Hein. Les niveaux vont arriver, et puis avec son Razor, il devrait être pas trop mal. On va voir. Me confirme que grand-mère se vient de Babouchka en russe. Et comme quoi, 7 ans de Dota 2, Comme quoi, tu maîtrises, 6, hein? 6 ans de Dota 2, au bout d'un moment, ça sert à quelque chose. Russe LV2? Hein. Nous on avait que 6 seniors et Ah, comment et ça. mais Liamo Namax et me gusta Les el 6 seniors. chocolaté. Attention au mid Ça Icarsail arrive. qui va se faire lift par DG. Est-ce que Oh, ça tue, Abed hein. va mourir? Alors, je pense qu'on va avoir le return kill de la part de Ramsès. Non, le petit coup de stick. Ah ouais, t'as pas du tout les dommages avec ta Médusa. Comme quoi, en tant que devin, j'ai dit ça va kill.
Oh putain, le charlatan quoi. Il est pas très bien comme. On peut trouver Pacha, pas trop rapide. Beaucoup trop rapide. Allez, Pacha qui a trouvé un petit coup de poison sur Pylaidai. Merci qui continue de prendre de l'XP. Là, là, il peut le tuer là. Ah, je pense aussi, hein. Ah! Il hésite. Ah, 4! Oh, on l'a eu! Le coup de stick de Pylaidai. 5! Et Pylaidai, il est pas du bon côté de la map, info sûr. Allez, hein. À 6. Avec le roulé de boulet de. Bah voilà, ah, petit roulé de boulet. Et puis Pacha, c'est le kill. Surprise, ah. Motherfucker. Ah non, moi j'ai fait espagnol LV2 quoi. Enfin, j'ai essayé de faire espagnol LV2, c'était dur hein. Emiliano BXMT, soy un alumno francés, a mí me gustan las chicas, vamos a la playa. Voilà, bah, j'ai à peu près le même niveau que toi en espagnol, Philo, ça me rassure. C'est bon, on maîtrise. Ah bah, pour la villa, enfin la villa 2.0 de la Forêt TV à Barcelone, écoute, ça va servir hein. Depuis que Hugo est parti là-bas en repérage. Le problème c'est qu'ils ont été un peu déçus, je crois, par la qualité de la villa. Ouais, Pylaidai il est pas très bien non plus, je pense, au top high lane, je sais pas qui tourne autour. Heureusement que Pacha a pas de malin, il devrait s'apporter des petites potions bleues. Au lieu de grid, cristal bleu. Ouais, celui qui a peut-être grid ici, cette île qui va aller chercher cette Minturine mais qui va se faire slip derrière ça. Et Envy qui va pouvoir remettre un beam, allez, le roulet-boulet qui sera gentiment interrupt. Ah, celle qui va revenir derrière, qui va essayer de passer les petits coups de slow avec le Chain Touch, et Talon du Roy largement est dommage. On va pouvoir récupérer un kill supplémentaire, j'ai l'impression, sur Asaïl malgré la présence de la hate, oui! Oh, le niveau quoi. Niveau de ces échanges. Allez, Arsail repart au mid, pendant ce temps-là, le duel en bas. On continue d'être gagné par Noah, non, y a pas trop de surprise là-dessus, mais bon, Ayo et. Sur ce qui ressemble le plus à une safe lane, donc récupère quand même quelques LC, t'es un peu d'XP. Pas vraiment le sortir de la lane. Alors qu'au top, on est reparti. Pacha n'a toujours pas de mana. Il y a une Illu également de lui qui est totalement AFK derrière. Mais Lille quoi, non mais enfin. Non mais faut se calmer là. Bah écoute, quand Pacha déjà, tu te pas trop pour du le moment. Mana, là. Ou tu te fais du mana, enfin j'en sais rien, mais tu prends du mana. Ah, il va aller Shrine, je pense. Et il va terminer Arcane, donc il aura du mana. Ouais, niveau de dégâts, il met quand même deux niveaux à Wayo, hein. C'est un sacré stomp cette lane. Ça commence à être critique la bot lane. Ça commence à avoir un petit problème. De Razor en effet, on va voir si ça va continuer à parler dans la game d'avant. Je vous rappelle la game, enfin dans la suite de la game, je vous rappelle la game d'avant, on avait gagné les 3 lanes. Hein, côté VP, c'est pas le cas ici dans cette game. Je pense qu'on peut dire. Que le mid actuellement est plutôt even, voire même gagné par Ramsès, si on en croit les CS. Le top plutôt gagné par VP aussi. Parce qu'on a pas mal de CS sur le Shadow Demon et la Luna avec Barn Free Farm. Oh mais c'est pas une lane enfin, sur laquelle t'as envie de dire ouais, que la Luna est pas free du tout quoi. Et le bot par contre est très clairement gagné côté No One. On va voir ce que ça a donné, la smoke qui est arrivée par Lille. Ouais. On peut fight au top avec Arstyle qui est là, etc. Tout ça, t'es level 5 sur ton SD, t'es level 5 sur ton SD en plus. Il a du mana, surtout, mal, hein. Il est heureux, ouais. Alors la clé c'est de mettre deux poisons et après de pouvoir. Après banish. Ouais, banish poison. T'en mets un troisième et tu tentes quelque chose là, derrière. C'est parti là. Qu'il fasse attention. Banish, ouais, attention au banish. Là-dessus, il va se mettre en self. On va faire reculer Envy à cause. Il arrive fraîche sur Envy. Tout ce qu'il faut, le roulé-boulé qui va arriver derrière, Pacha qui continue de spammer les poisons, on a 3 stacks sur Envy, on veut aller chercher le 5ème côté Pacha, oui! Ça va passer, et ça va permettre de récupérer le kill, allez. On récupère un self vanish dans 3 secondes s'il le faut, de la part de Pacha qui va peut-être pouvoir jouer autour de ça, qui va passer le planish offensif, on a 2 stacks de poison si je ne dis pas de bêtises sur cette ET. On va avoir un 3ème stack sur le ET, on va le faire exploser, allez, ça va passer. Monsieur Pacha qui crée le mouvement et qui crée la surprise avec son Shadow Demon. Ah.
Bah, s'il veut, avec son Shadow Demon, il peut aller genre mid et faire un kill maintenant qu'il a récupéré son ulti. Ouais, par contre, celui qui va peut-être faire un kill, ça va être Ahmed au mid. Qui met de la pression sur Ramsès, non, il va décider de reculer. Pas de charge de stick pour remettre une lance, peut-être. Bon, si, on a encore 13 en plus. Il estime qu'il pouvait pas spécialement aller chercher ce kill. Et ça peut jouer comme ça. Bah, c'est comme ça que c'était joué au tout début du héros. Qu'en fait, quand le héros est sorti, c'était joué mid et c'était joué de cette manière-là. C'était joué avec, en fait, avec du poison, mais t'allais chercher des levels de Soul Catcher plus vite dans la partie, par contre. Avec un level de disruption. Personnellement, là, s'il fait. Bah, déjà, s'il fait un kill facile Ouais. avec l'ulti, bah ouais, sans problème. Hein. Si tu veux faire Aetherland Skaya, t'es un monstre en fait Ouais, sur ce héros. je pense aussi. Hein. Avec les améliorations de poison. Et on a roté les lanes. C'était Fnatic. On s'en rend compte qu'au bout d'un moment, bah, être en aggro contre un SD quand tu lui files des kills, c'est peut-être pas le truc qui marche le mieux. Donc on va revenir sur la safe lane. On va essayer de faire farmer Envy un petit peu là-bas. Je vais vous montrer un peu les networks aussi, voir ce que ça donne. Et vous le voyez, hein, le SD il est très très haut devant la Luna. Je vous dire très clairement, je pense que les deux side lanes ont été gagnés hein, C'est crucifié. par BPR. Et Noen qui se fait en effet crucifier sur un ulti d'Ohio. Est-ce qu'il arrive à survivre? Ouais, le roulé-boulé qui va arriver derrière le gush d'Ohio. Et c'est peut-être l'île qui s'est peut-être un peu enflammée et qui va se prendre le stomp. Et à mon avis, qui va probablement mourir là-dessus sur ce beam derrière l'ennemi. Bon bah voilà c'est bon en fait, il revient dans le game, y a pas de problème. En fait celui est toujours en difficulté hein, au mid. Hein. On est quand même pas mal de la pression. De la part d'Abel. D'Abed, pardon. Ouais il est pas en mal pour autant, il est quand même bien en networks. Quand même bien en networks, ça ira le Razor Medusa. Lille. Oh Lille. Non. Ouais. Easy Night Vision. Plus, ouais. Bon bah. Plus Spirit. Là tu ping et tu mets Eclipse en CD, non, je crois. Après ce genre de move. Et c'est bon les ça, mecs. C'est Hein toujours la technique. Hein. C'est bon les gars, il n'y a plus d'Eclipse, ah, on est en 2 minutes. J'ai forcé l'Eclipse. Et là il le bute. Hein, tout ah, seul, la je chance, pense. hein. Banish. Derrière ça, est-ce qu'on peut se retourner? On va trouver le livre pour empêcher de passer un troisième poison. Et ça va exploser ce poison, ça va passer. Lord Peter, il faut en sortir. Ok, Pylaida, par contre, fait beaucoup de dommages. Au Red Click, est-ce qu'on arrive à terminer Pylaida avant que lui termine ce SD? Non, pas du tout. Par contre, Tobat va pouvoir récupérer le deuxième kill. Et le 3v2 bottom, ou le 2v3 plutôt, qui paye hein, pour VP, qui leur permet. De remporter 3 kills contre 1. Il a bien fait Aetherland. Ce héros est trop bien. Je le kiffe trop. Je suis d'accord avec toi. Salut mec. On t'avait des creeps. A plus. Ouais, Yuki va pouvoir repartir avec tous ses creeps en effet. Alors ça, il est maintenant level 6. Ça va être une nouvelle chose avec laquelle il va falloir composer dans cette partie. Les Lucia qui vont pouvoir commencer à pleuvoir. Lille, il a fait péter la smoke avant même qu'il fasse un. Ouais, le roulé boulé, Lille qui va mourir encore une fois, un sixième mort ici dans cette partie. Putain, Marsu Spirit. Sur les 11 casse, on a compte. VP, ça commence à faire beaucoup de morts pour lui. Hein. Ah, c'est bon, il donne plus beaucoup d'or quand il meurt. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est une technique qu'on a maîtrisée chez THC, en général on envoyait les potes se suicider. Oui, il a fait des jolies games au Pudge, hein, et peut-être celui qui va faire une jolie game également ici, ça va être Pacha, qui va pouvoir récupérer grâce à son Unki Pylaida, le roulé-boulé, qui ne connectera pas sur DJ. Est-ce qu'on trouve le caillou? Est-ce qu'on trouve le kick? On n'aura pas trouvé cette ulti ancienne apparition qu'on a entendu s'écraser un petit peu plus bas, mais Noan n'aura pas besoin d'aide, parce que juste avec les dommages de l'ultimate, il va pouvoir récupérer le kill sur DJ sans aucun problème. Alors, c'est vrai que maxer disruption après, c'est pas ouf. Après, c'est très manœuvre de jouer avec le poison parce que tu utilises 50 à chaque poison. Mm-hmm. Mais c'est tout de même mieux d'un point de vue DPS d'avoir un Soulcatcher massé. Parce que Soulcatcher, bon, il est pas évident à placer parce qu'il faut réussir à le placer pour toucher une unité que t'as banish. Mais t'obtiens une illusion après aussi, tout le temps de la mort de la personne en face. Et t'as surtout une augmentation énorme des dégâts dessus. Là, je suis assez d'accord avec toi. Là où la disruption, bon, tu as gagné un peu de dommages sur les illusions, un peu de durée également. Mais après, c'est très fort contre Luna quoi. Ouais. Allez, smoke. Côté Fnatic. Ahmed, DJ et Pylaida qui partent ensemble à 3.
Essayer de trouver quelqu'un. Est-ce que Pacha a eu une information ici sur Envy? Je pense que oui, hein. Oh, Oh il a failli Envy! eclipse. Oh Envy! Alors il a Eclipse, donc il faut faire attention. Le Banish qui va arriver juste derrière. Silence. L'ulti A. Allez, stun silence. Dans l'ulti A. Y'a pas de problème, kill réalisé. Par contre, un petit peu plus tôt. Oh, pardon, on est parti sur Rapsed qui n'a pas encore d'ultimate sur son niveau 10, juste avec les TP. J'ai l'impression, et la mana. Sur le mana shield, on a pu réussir à lui sauver la vie. Il y a un petit coup de drum qui a été activé. Ouais, on cherche son mortier de support. Ouais, alors on aura déjà trouvé Pylai Dai. Et No One qui hésite à monter ses cliffs. Prendre des petites informations, on a volé Plasma Field. À la part de DG. Utilisation du shrine juste derrière. Ramsès qui va faire le build à base de Dragonlance sur sa Médusa. Mais c'est de go middle. Oh, le silence stun. Très sexy. Ouais, on peut tuer Abel là-dessus. Je pense que oui, hein, parce qu'on va perdre l'île en parallèle. Je ne pense pas. Très sexy son move là de la part de lui. Bah écoute, je suis arrivé un tout petit peu trop tard. Ouais, il roulait et pendant qu'il roulait, il a silence. Et ils ont foutu le tir après sur le stun. Enfin, c'est le bordel quoi. Et Pacha En qui plus, était juste Abel à il cette s'est tour dit de bottom. après son saut, ouais, je vais les juke avec mon illusion, tu parles, il a foutu l'ulti, il a tout pété. Envy, 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 Envy. Il essaie de TP Envy, hein. Pacha, est-ce que Pacha le voit? Oui, Pacha le voit derrière. On va peut-être pouvoir placer un petit Banish Envy qui essaie du coup le plus vite possible. Et le Banish qui va passer. Le problème c'est que Ramsès est là. Ramsès va pouvoir utiliser l'ulti. Pacha également. Et je pense qu'on va perdre Eternal Envy avec sa Luna. Et on le même Vas-y, non. viens! Ah, on laisse même le kill à Pacha, hein, y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il va faire Kaya maintenant sur son Shadow Demon? Son Attendons objectif dans la game avec son Shadow Demon 8-1-4, je le rappelle, voir. c'est Where is Luna? I'm gonna kill her. Apportez-moi cette grognasse. Ouais, je pense à celui-là. Le Valdis, qu'est-ce qu'il a pris le Valdis? Il allait chercher l'XP? Ah, il allait chercher l'XP en plus. Donc là, il va Ouais, vite c'est avoir trop ses bien. levels. C'est trop bien, tous les niveaux sont trop bien, tous les trucs sont trop bien, tu sais même pas quoi choisir tellement tout est trop bien. Ah, les talents sont chouettes hein, sur le héros qui arrive derrière. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Vous avez ou 25% de dommages en plus sur les poisons, ou 42 MS, du CD sur Soul Catcher qui descend à 4 secondes, ou alors du CD en moins sur le poison, une seconde, 5 en moins, donc ça donne un poison toutes les 2 secondes, je crois, toutes les secondes, pardon. Toutes les demi-secondes, je crois. Oh, le Toutes les secondes, ouais. ravage, on engage avec l'équipe juste derrière, on va plus one shot. Allez, on va pouvoir récupérer peut-être No One également. Le Colfi qui a été lâché, on va pouvoir mettre un Mime Ultia qui va faire pas mal de dommages. Attention à SPL également qui vient d'arriver derrière. Et un petit ulti de Pacha qui a été lâché. Est-ce qu'on arrivera à sauver cette ancienne apparition? J'ai pas l'impression. Ryu qui est toujours en vie pour le moment. Et Pacha qui a un petit peu du mal à évoluer sur ce teamfight pour le moment à l'heure actuelle. Qui va reprendre la stomp. Ouais, on style le stack d'ancien, le Ouais. tout sur la dissu d'Abed. Et on n'hésite pas, malgré qu'on ait perdu notre Luna juste en bas, à aller dans la forêt ennemie pour prendre ce sac. Et attention à Bête quand même qui va se récupérer sur ce stun silence je pense. Il est empoisonné, mais il l'a dispel là. Doppelganger, il va tuer Pacha. Ok, il va essayer de tuer Pacha juste avant de mourir mais ça ne passera pas. C'est Faut dommage de faire perdre le ça, il PL quand faut même faire ça. là-dessus quoi. C'est bien Ouais. exécuté, c'est une très belle action mais la mort du PL vient donner un espèce de goût de ouais pas tout à fait aussi bien que ce qu'on aurait aimé quoi. Le PL il déploie sa strat anti-médusin, ils sont en train de faire Tarrasque. Le PL? Je vois Ah qu'il y non, a Char. ah, il a changé. Il hésite entre la fer et Yashel et Tarrasque, il a été Tarrasque juste avant. J'ai eu un ulti à fly au top. Oh. Pou. DG. Qui a eu un petit peu de réussite là-dessus. Il fait fort staff avec son Shadow Demon à l'heure actuelle. Il est déjà level 12, hein. Les plus 25% d'XP qui lui servent bien. Ramsès, lui, travaille. Ton corps est toujours également sur son Il fort. va Taf, on se est faire parti au crucifier. top, Lille. Ouais, le caillou. Il a pas de roulé-boulé pour le moment. Il va placer un ulti. Le Banisha Mystique. qui va arriver juste derrière avec le stick. Pylai Dai qui TP. Et qui va réussir à TP. Ouais, oh, par contre, lui devrait réussir également à s'en sortir sans trop de problème. Oh, il a Eh bien, été écoute, possible petit sauvetage de Lille, là-dessous. hein.
Lui, il a été petit, hein. Il aurait pu rouler proche d'un caillou pour tirer, taper dedans, je connaissais plus vodka que ça. Écoute, il s'est dit, bon, je suis quand même à 7 morts, merde, putain. Hein. Solo est pas là, faut pas que je le remplace pour autant, quoi. Je sais bien qu'il y a Capitaine Hardstyle, mais. Bon, faisons un petit effort. Allez, Noen qui part et qui a terminé, je pense. C'est sa BKB qui est en train d'arriver? Ouais, c'est BKB. Attention à Ramsès, hein, qui perd quand même pas mal de mana versus ses UPL à chaque fois. Envy, lui, va pouvoir recover hein, son Network Sword qui est en dessous de tout à l'heure actuelle, hein, juste avec son petit Mask of Madness, bien entendu. On va voir ce qu'il fait avec sa Médusa, s'il prend l'attaque speed ou s'il prend le Mystic Snake, sachant que les illusions donnent pas de mana. Attaque Il prend vide. bien l'attaque speed, c'est. Et tu prends, Oui, ça. dans la majorité des cas, tu prends attaque speed, non? Il y a vraiment beaucoup de Medusa Ah qui non, prennent apparemment, Mystic dans la Snake. majorité des cas, c'est Mystic Snake Ah bon? mana. Ok, Ouais. d'accord. Mais actuellement, beaucoup plus de gens prennent attaque speed parce que beaucoup plus de gens se retrouvent contre des PL et quand tu en jettes le serpent, ça te file pas de mana avec les illus. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, si tu reprends 1000 de mana parce que t'es en teamfight, et ben, si tu reprends 2600 d'effectifs HP, quoi. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai que c'est plutôt rentable quoi, tu m'étonnes. Et c'est le vol de mana, c'est pas juste que tu récupères en plus qui est augmenté. Ouais. C'est tout fou, ouais, c'est mana Ouais, steal. donc tu vires plus de mana également à tes adversaires Ouais. quoi. Tu récupères 35% sur un snake au lieu des Ok. 20%. Ah, c'est quand même pas mal. 35%, celui qui a un héros intel en face, bonjour quoi. Ah, plus augmentation sur. Ça augmente sur les bones en plus. Ah, c'est juste les Ouais. dommages qui sont augmentés sur les bones. Damage, perd Ouais, jump, c'est juste les dommages qui unsteal. sont augmentés. Non, les deux augmentent. The snake deal more damage, perd jump, unsteal. Ah non, most damage. Ok. Le On a steal est récupéré fixe apparemment. Pylaida, attention à Ohio, hein, qui a un ravage disponible. Qui n'en aura pas besoin, je pense, pour récupérer Arsène malgré le petit force tap. Et on va pouvoir toucher le ravage. Ça va permettre également d'aller récupérer peut-être Pacha, alors qui va se retourner quand mettre Ohio avec l'arrivée de Ramsès et Noan. Ce qui va peut-être permettre d'aller chercher ce Tyrion Thorn qui a lâché un petit taunt, mais c'était peut-être le taunt un tout petit peu trop tôt, mon grand. Alors il va faire un Ganymede sur son Shadyman. Et il y a des trucs trop bien à casser dans cette game. Notamment l'ulti du PL. Ouais. Si tu PL, si tu le break, le mec fait plus jamais d'illusion quoi. Tu casses le Natural Order aussi? Tu casses Natural Order. Hein. Bah le PL, le Natural Order, le Tidehunter, la Luna Le aussi. Rubik, la Luna, il y a beaucoup de Ouais. trucs à casser. Hein. Alors je sais pas si le Rubik tu break encore depuis que c'est plus un Ah, passif. c'est intéressant, ouais. C'est un passif Enfin c'est un passif actif. actif, ouais. Je pense que tu break un, et si ça se trouve, quand tu changes le type de l'aura, eh ben, le deuxième n'est pas break. T'es plus break. Peut-être, ouais, c'est peut-être ça le fonctionnement en effet. Bizarre. En tous les cas, il est très bien avec son Shadow Demon. Il vit la belle vie. Écoute, on va voir. Mais attention! Game d'avant, il vivait la belle vie! Ah non, game d'avant, il arrêtait pas de mourir avec son DK. Ouais, mais l'ensemble de l'équipe, Noen, est en train de faire un jeu de jambes avec Eternal Undying, mais Ah, mais il est en train de gagner le jeu du de jambes, risque. hein, no offense, mais Ouais. Oh. Oh, Heureusement qu'il y a un petit coup de force F qui est arrivé de la part d'Ohio là-dessus. Hein. ça a failli être horrible. Est-ce qu'on peut récupérer DJ là-dessus? Non. Le titre qui va proc. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il va prendre le 500 démonique purge damage du coup. Parce qu'il aura 3 charges. Donc 1500 a priori de pur. Ah ouais, j'aime pas les 5 secondes en plus de banish disruption. C'est trop bien, tu peux one shot quelqu'un sans qu'il sorte en fait. Ouais, parce que tu spammes les poisons quoi, c'est ça? Ouais. Ok, et d'ailleurs en parlant de spammer les poisons, c'est Attaque de DJ qui est en poison! train d'en prendre la masse au top, il va peut-être en prendre un quatrième. Non, mais il n'y aura pas besoin, vu qu'avec juste 3 charges de poison et la petite charge de Soul Catcher qui était Mais un là. Rubik avec une aura défensive! Ah merde! J'ai échappé un Rubik en aura offensive. Au cas il a pris des dommages de poison, ok, ouais, il a bien pris des dommages de poison quand même. Ouais, a priori. En fait, le Soul Catcher cooldown est moyen. C'est au correct, mais c'est pas ouf.
Bon, cette game, c'est bien parce que t'as une Luna en face. Mais en fait, 1,5 secondes de Shadow Poison, c'est juste trop fort. Ouais, Yoke qui a. Forcé la BKB un petit peu, hein, qui a fait un peu peur sur un gauche, Envy. Qui va pouvoir se force ta faute. Il a tellement d'avance de niveau, quoi. Il est niveau 16 avec son Shadow Demon. C'est lui qui est le premier en XP là-dessus? Sur la game? Ramsès, No One, il est égalité avec eux. Ok, d'accord. En face, c'est 15 au max le niveau. Donc il est devant tout le monde en face. Ah, à l'aise. En plus, il va pouvoir commencer à farmer avec des petites Zulu, Medusa, ce genre de choses. Tranquille. Ah bah, voilà. Petite wave de creep gratos sur le top 1. Allez, on continue de se tourner un petit peu autour. On essaie de trouver des petites opportunités, j'ai l'impression. VP qui a décidé d'aller chercher éventuellement cette T2 mid. On refait des illusions de la part de Pacha, on les envoie sur la tour bien entendu. Ramsès qui est anti-backdoor jusque maintenant, voilà c'est terminé. Ramsès qui a décidé d'attaquer un petit peu tout ça. Ouais, Yuki là ici présent au milieu de tout ce. Ce petit début de défense de base, Abed qui va aller skip la wave. Ah, DJ il a volé le snake, c'est un très bon sort à voler snake. Et encore plus si t'as un Agani au bout d'un moment sur ton Rubik. Bon, il y a bien sûr l'esprit Cloud9 là qui frappe avec les gens derrière les lignes ennemies en train de couper des waves. Joue là comme Jackie Mao. Butterfly sur la Médusa de Ramsès. Ah, il est quand même. Voilà, hein. Il est riche. Médusa, elle est quand même un peu. Ah, alors, lui, la Médusa capitaliste, elle est ah là. Ouais, hein. Lui, c'est là. C'est... Les bonjour, je réquisitionne les usines. donnez-moi tout le pognon. Au PSP des usines, quoi. Ah, bah, au PSP sur les sacs de creep aussi. Y'a pas de problème, il récupère tout, il ramasse tout ce qui traîne. Hein. Donc, ça gagne de l'argent à la fin, c'est tout ce qui compte. VP de smoke, donc il se smoke à 3. Ouais, bon tu me diras, à partir du moment où ils ont pas chat avec eux, ils ont une armée hein, déjà, y'a pas de problème. C'est clair. Ouais, tu vois qu'ils veulent essayer de récupérer peut-être ce PL avec un Banish, mais ce ne sera pas le cas. Ça sera peut-être plutôt à la top lane, toujours une T1 en plus à récupérer. La smoke elle dure encore combien de temps? Ouais, ok, d'accord, 3 secondes. Allez, la smoke qui va fade, on aura juste posé une ward dessus. Récupérer personne hors de position, on a joué bien safe de la part de Fnatic. Alors, Ramsès il est un peu isolé, middle. Il faut qu'il fasse attention. Hein. Ouais, ce taille est quand même riche, hein. Il est au même niveau de GPM que. Enfin, de gold de Networks que le Shadow Demon. Ouais. Il a l'air de partir sur E-Fresher, donc. D'ailleurs, Pacha il le cherche. Il l'a trouvé, il lui a désactivé ça d'ailleurs. Il peut faire péter le poison pour la redésactiver. Il ban. Ok, pour essayer de temporiser avec les TP. On a un outil qui vient d'arriver de la part de ce SD. Il va purger les poisons. Et l'île qui sont là-dessus. Ouais, mais bon, ça ne suffira pas. Alors, il paraît qu'il y a un bug là-dessus. C'est quand tu purges les poisons, ça fait les dégâts. Je crois, d'après Matrice. Alors qu'en théorie, ça devrait juste purger les poisons. Ou alors, dans le sort, c'est écrit que quand tu le purges, ça fait les dégâts, mais. C'est assez étrange parce que là il a purge les poisons mais il a pris les dégâts des 3 stacks quoi. Ouais, j'ai débranché mon micro casque par erreur. La base. Voilà, la base. Oh, c'est la fatigue hein. Je commence à. Tu sais, justement, je pensais que tu fatiguais cérébralement, tu vois. On a chacun nos trous l'un après l'autre. C'est ce moment où tu. Plus la game avance, plus tu descends dans ton fauteuil, tu sais. Ah ouais, bon, j'ai passé sur la table, t'es caté. Ah voilà, je sais pas si toi ça fait pareil, mais moi plus l'heure avance, plus j'ai tendance à m'affaisser. Nous sommes là-bas. Des professionnels, on est à fond. Ou pas. Mais si, regarde, VP ils sont à fond aussi avec des petits USD qui sont lâchés. Bon, alors c'est des USD d'un Razor, hein. Eh, il prend la tour avec. Il prend la tour avec. Qu'ils arrivent à prendre Roche avec aussi.
Il a fini son aga, il part sur Gizu maintenant. Il s'est pris un petit tome aussi au calme. Level 18? Ouais, petit level 18. Alors celui-là est 25, vous allez voir. Alors les trois charges, contrairement à d'autres spells, par exemple, t'as des spells qui ont plusieurs charges, tu peux pas mettre les mêmes charges sur le même, les plusieurs charges sur le même héros d'un coup. Bon, je vais penser au Colfit de là. Si t'arrives à récupérer le level 25 ou t'as 4 charges de Colfit, bah tu peux mettre les 4 charges sur un seul mec, c'est pas possible, tu dois attendre que ta première charge se termine pour en mettre une deuxième ou alors les placer sur différents héros. Les 4 charges de SD, tu peux les mettre sur le même mec. Et vous avez un talent qui fait plus 500 dommages de purge, de base le sort fait déjà 400 dommages. Donc imaginez-vous 900 dommages par sac, x 3, hein. Pur. Voilà. Alors magique. Voilà. Non, magique. Mais que tu peux potentiellement amplifier avec 50% de Soul Catcher. Ouais. Donc plus que pur. De ce fait. Ouais. Autant vous dire que ça marche plus que bien. Ça commence à partir en sucette là. Et s'il marche plus que bien, a priori aussi c'est de tuer la Luna au top, alors qu'on va peut-être récupérer Wayo qui n'a pas l'occasion de relâcher son ravage sur la BKB de ce Razor. Petit coup de diffusal là. Contre-kill quand même sur ce Razor. La bête, ouais, va permettre le contre-kill en effet. Ce qui m'étonne, je vais suivre cette illusion Rubik, c'est que. Parce qu'il y a une illusion Rubik, elle est où? C'est qu'il a tué Rubik en aura défensif. En aura offensif et il a un Rubik en aura défensif après. Ah, c'est bizarre. Ça, c'est pas sexy du tout. Hein. Monsieur Volvo, go fix, hein, c'est pas sexy. Hein. Ça serait chiant, je faisais post sur le forum et puis après. Ah, sur Reddit, tu veux dire. Ouais, voilà, vu qu'il sera pas écouté, faudra faire un post sur Reddit. Et puis, il faut mettre des mots genre. This game is unplayable, fix ça. Please. Please Volvo fix, please Volvo save our style. Please Volvo save manager our style. Ça ne sera pas le cas. Allez, Pacha, bientôt level 20. Logiquement, je pense qu'il va aller récupérer les moins une seconde 5 de poison cooldown. Oui, et ça lui tombe le CD à une petite seconde. Je sais même pas cette game si elle part en very late, à qui elle part vraiment, à qui part vraiment l'avantage quoi. Que t'as la Luna d'un côté, ok, mais t'as le SD de l'autre qui lui dit merde, t'as la Medusa, mais de l'autre côté t'as le PL qui dit pareil. Je pense qu'en very late, c'est surtout le PL en fait qui est très fort. Bon, bien sûr, il peut y avoir une rapière ou je sais pas quoi, mais quand même, PL. PL task, ça fait quand même peur quoi. Alors on est d'accord, et là le problème c'est qu'il a bientôt son tarasque, hein. D'ici un petit 1000 gold. Je vais faire des trucs rigolos où tu fais des illusions de PL qui font des illusions de PL et il y a une guerre qui se fait entre les deux armées de PL, comme là middle. La guerre des illusions. Bon, est-ce qu'on arrive à récupérer DJ qui s'est pris le coup de Shiva, qui va se prendre le coup de caillou également. Et qui va tomber, Free Illu Rubik. T'en profites pour pêche, avoir l'aura. Oh, ça te fait au moins une aura défensive, hein. C'est vrai. Même si c'est cassé. Il a pris quoi d'ailleurs sans hasard, vu qu'on me dit qu'il est nul en late? Il a pris l'armure. Donc il l'a pas pris ulti isopé quoi. Ouais, après il contre Bell, c'est toujours pareil. Regarde-le! Bah il a die! Il est tué! Il a mis les 3 charges ulti ou pas? Non, il en a utilisé un, je crois, un ou deux, mais il a le Shadow Poison. Ah, il vient, à dire, 5 secondes. Il y en a plus. Hein. Complètement débile le poison que t'as tout le temps. Je suis d'accord avec toi, ce qui est un petit peu débile, c'est catapultes double kata qui sont en train de taper également. La T3 qui ont gratté énormément de dommages dessus. Ouh, Envy. Ouh, Envy. Là, comme Envy en dernière ligne ennemie. Ah bah, TP, hein. Merde. Il a beaucoup d'or quand même, 5000 d'or. Est-ce qu'il instabaille sa BKB? Eh ouais. Ah, j'aurais fait un aganime hein, sur sa Luna, hein. Il est support. Il supporte le PL, hein, qui a maintenant Tarasque. Qui a maintenant Tarasque. Qui va pouvoir tuer des gens à bed. Pour être bien tanky. Bon, donner aussi des élus qui vont être bien tanky. Y'a pas de problème, ça suit. Ah, on a bientôt refresh sur le Tidehunter. Doyo, hein. Ça peut faire éventuellement la différence. Qu'un seul BKB pour le moment côté VP, il est sur No One.
Ouais, c'est terminé la partie. Elle dure cette partie à terminer parce qu'on remonte bien les lanes de la part de Fnatic. Là, cette lane top elle est bien remontée. T'as envie de faire quelque chose avec ton Aegis, mais bon. Ça devient un poil compliqué. Lui, il fait qu'envoyer des putains d'illus au top H24, donc c'est très relou. Voilà, c'est le moment où la Médusa il arrive plus à tuer les UPL. Donc c'est faut se dire qu'il arrive plus à tuer les UPL, donc si elles sont au corps à corps, le mec il va se retrouver entouré d'UPL et il va tanker les speedshots, un truc de fou. Qu'est-ce qu'il te faut là maintenant? Tu penses genre Maelstrom et prendre le 25 speedshot qui utilise les modifiers? Il faut prendre Divine Rapière et plus 7 split shot target. Ok. Je pense, mais personne l'a fait encore, donc on saura pas à mon avis. Hein. Bah écoute, ce qui vient de se passer, en tout cas, c'est un petit échange de position avec derrière ça un ravage de Wayo qui va passer. No one qui va probablement mourir. On a perdu leur spirit également. Avec le fait qu'il aura lâché son ulti. Ah, j'ai l'impression que j'ai bientôt un sub supplémentaire. Hein. Bah, sous non? C'était quoi? C'est 6 VP, 6 Fnatic gagne le Si tournoi? Fnatic gagne, j'ai un sub. Hein. Et si VP 3-0 Fnatic, je vais payer un truc, mais vu que c'est plus possible. On est plutôt safe. Ah, tu pourras garder ton argent dûment gagné. Ah, tellement, tellement dûment gagné. Voilà, dûment gagné. Et en profiter pour Et faire ce que tu veux encaisser. avec. Et encaisser. Et puis voilà, et puis faire des dividendes en tant que bon capitaliste que tu es. Ah, j'ai perdu Philo qui est parti. Je suis parti dividender. La dividende. Ah, bientôt le level 25 sur la Médusa de Ramsès. Ah, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à gérer l'aspect alors qu'il va enchaîner sur un petit MKB qui prévoit bien entendu ce Butterfly qui est déjà présent sur Ramsès qui est en train de partir sur un deuxième Butterfly en plus derrière. Voilà, je ne sais pas, matrisseur de ce corps peut-être. Ouais, si tu veux pas. Alors, c'est sûr que si le mec en face sur son PL, il hésite, hein. Non, c'est bon, il va faire MKB. Ouais. Mais il va se faire complètement enculer avec sa Médusa, je pense. Parce que s'il fait pas MKB, ouais, c'est très fort, mais s'il fait MKB, c'est. Ah, je pense que. Il faut faire un build sur ta Dusa qui deal. Faire un build de tenue de fight, quoi. C'est pas les autres qui vont tuer les UPL, ça, c'est Et ton job, là. y a quand même des trucs dans la vie qui sont trop bien, tu sais. Genre, je dis, le mec fait double butter, matrisseur de ce corps. Devine qui pop sur le chat en disant, mais pas du tout, ce Putain, build c'est de la dégueulasse merde, de build. etc. Blablabla, et que vous m'aviez. Ah voilà, pour dire que le build de Ramsès c'est de Alors la toi tu merde. ferais Juni en MKB satanique. Ouais, c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts. Moi je serais rapière à sa place. Hein. No joke, hein. Rapière 25, 7 split shots, c'est gagné. Hein. Écoute, avec un petit BKB à côté. Alors l'intérêt que t'as, c'est que si tu prends un Mjolnir, tu peux faire split shot, fait proc les machins. Bah, c'est ça. Et à chaque attaque, t'as des éclairs quoi. Mais. Bah, un Est-ce qu'à éclair à chaque chaque attaque attaque. tu peux récupérer également le Tide Hunter? Non, il va juste pouvoir blink out. Mais il a beaucoup trop de PV sur son PL, il te faut MKB, MKB, MKB rapide. Hein. Bon, peut-être que si t'as 3 illusions, si t'as 3 Medusa, il y a Ça aide peut-être peut-être, moyen. hein. Ouais. Ouais, on met le diff sur la cata, histoire de réduire un peu les dommages. Le Bounce, Tous les cas, très ils très sont pas placés intéressant en Fnatic. termes Hein. de vol. Ouais. Ils sont en train de remonter les lanes, hein. On regarde au top, voilà, Farindi qui est passé au mid, hein, classique. Y'a pas de problème, on aura juste gratté un petit peu de dommages sur la T2, on va devoir reculer, je pense. Après, bien sûr, je balance mon build comme ça, mais je suis dans la théorie. Hein. Je ne joue pas Medusa, comme vous le savez, parce que on n'a pas le droit de jouer corps en matchmaking. Donc, c'est ma théorie du build qui fonctionnerait. Bon, je veux dire, est-ce qu'on a trouvé Envy de la part de Pacha, mais est-ce que c'est pas Pacha qui s'est peut-être trouvé? Attention à cette smoke de Fnatic avec le refresher hein, qui est présent sur le Tide Hunter, double ulti. Ok, le stomp qui ne connectera pas. On avait un force staff, DJ qui va pouvoir placer un petit poudre de scepter derrière ça. On est à leur spitter, ça va être cancel un petit peu de la part de Pacha qui est quand même lui se prendre leur spitter pour sauver son mate. Ulti A en contre, mais ça ne touchera pas grand monde. Il Allez, faut qu'on Ramzes qui a pas neige. trop peur. Qui est level Noël. 25, hein, qui a pris les modifiers, qui a pris le Mjolnir. On est en train de perdre un héros, on a perdu totalement tout ce PL. Bah, est-ce qu'ils ont pas perdu là-dessus? Les mecs ont pas de buyback. Y a pas de buyback. Pourquoi il a pas de buyback avec son. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Edouard là? T'as acheté ton MKB, mais t'as pas mis un coup du fight? Attends, faut que je revienne en arrière pour voir si c'est fait break. Ramsès, il a pas le temps, hein.
Parce que finalement il a pas acheté un deuxième butter, mais le premier ça l'empêche pas de l'activer, ça l'empêche pas de partir tout droit mid, hein. T'avais forcé le buyback qui n'existe pas. Ah bon, la fortification elle existe, y'a pas de problème, on va pouvoir la caler. C'est vrai qu'il va envoyer juste un petit ulti au top, il sort d'essayer de temporiser un petit peu. Attention à Ohio qui va être obligé de se force staff out. Les snakes continuent d'être spammés de la part de DG. Et le side qui va tomber à l'avantage de VP. Ouais, bah il a pas très bien joué avec son PL, hein. Ah bah là, ouais, je crois qu'il y a eu un petit souci, Ah, il a oublié de taper, hein. C'est comme ça qu'elles arrivent, les hein. illusions. C'est donc ça la strat? Pour gagner avec PL, il faut Bah, TP. si ta strat de PL, c'est il va tanker les split shot Médusa en faisant plein d'illusions et que tu tapes pas, tu vas pas avoir d'illusions, donc tu vas pas tanker le split shot et tout le monde va mourir. Écoute, c'est un petit peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. En tout cas, premier side de récupérer par VP. Ça paye quasiment un item de plus hein, sur la Médusa de Ramsès qui a décidé de choisir BKB. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, je vous ai dit que j'aimais plutôt bien comme item. Les level 25 qui continuent d'arriver également. No One vient de récupérer, tiens, et a pris les 100 d'attaque speed qui sont associés à tout ça. Petit moonshot gratos. Et Envy, il continue de farmer. Bon, il a fait BKB sur sa Médusa, il va pouvoir tanker le mana burn, ils vont pouvoir assiéger un troisième site sans... en utilisant la BKB, donc en théorie il devrait être plutôt safe, sauf s'ils se font pick-off avant. Ils vont faire de moins en moins split si jamais ils ont cassé des lignes. Là ils ont cassé middle, donc c'est beaucoup plus dur de split middle. Ouais, on scoute un petit peu le rush pit. Et les environs, on met les stomps, on envoie des U Luna, des UPL d'un bout à l'autre de la map. Ouais, Dot level 25, la Luna a pris le mini stun sur l'Eclipse, avec quoi je suis plutôt d'accord, il est en train de partir sur Aga en 6ème item à Envy. Moi c'est un build qui me plaît beaucoup, je t'avouais. Cet Plutôt Aga en rigolo, 5, hein. ouais, cet Aga c'est 5-6ème item, je trouve que ça marche très très bien, surtout avec le level 25 en combinaison. Ah ben lui n'est pas encore 25, on va essayer d'avancer sur un petit butterfly, on a des force staff un petit peu de tous les côtés sur les supports. Côté Fnatic. Également sur les corps avec le Tidehunter qui est pas encore lui non plus 25. Tu prends quoi? Tu prends les 25% de CDR. Parce que bon voilà, parce que c'est 25% de CDR quand t'arrives fraîcheur sur Tide, mais. Qui qu'à côté c'est Ouais. 250 dommages et tu mets pas un coup. Mais bon. Non, tu prends les 25 cooldown, il peut tout le temps gush après. Avec, il va prendre le gush en Aghanim. Ça augmente que là-haut le gush en Aghanim, ça. Que là-haut, Ça enfin fait ça une te donne wave, une ouais, la mais. wave, mais ça te réduit pas le CD ni quoi que ce soit. Alors en fait, le scepter cooldown est à 7. Et si ça diminue le CD. Ok, d'accord. Scepter... Tu passes de 8,4 à 7. Un petit peu, Et ouais, il avec. doit être à 10 là, je sais pas, parce qu'il a une arcane rune le 8,4. Duration et de. Combien le duration de... Il reste 4 secondes. Donc, avec le CDR diminué, tu dois pouvoir tout le temps appliquer le armor réduction de 10. Ok, on va voir si on va pouvoir également appliquer des choses sur Arstyle, qui sait, force staff in. Et qui va tomber ici, Abed, qui continue de partir à la chasse, petit doppelganger agressif, il faut essayer de récupérer Pacha, qui va pouvoir blink out. Par contre, derrière ça, le problème, c'est qu'on s'est fait silence avec le Banish qui vient d'arriver, Ohio qui va pouvoir mettre un premier ultimate. On s'intéresse à cette Medusa qui va pouvoir poser la BKB, Andy qui est un petit peu au milieu du teamfight, qui va devoir être forcé d'utiliser sa BKB également. Le problème, c'est ce qu'a un Skadi sur Ramsès qui devrait pouvoir le récupérer, je pense, avec le roulé boulé out de Lille. De le scepter qui a été utilisé, c'était en défensif, j'ai l'impression, de la part de ce Ruby qui va perdre la gemme, le buyback instantané. De la Luna d'Envy pour essayer d'aller défendre mid contre les creeps. Le problème, c'est qu'on en a toujours pas sur ce PL d'Abed. Continue d'acheter les items. Là, c'était ici un petit alignement d'évasion pour Qui a rentrer fait la sur Butter différence? d'arrière. Eh ben, clairement. Hein. Est-ce qu'il va peut-être faire la différence? Ça va être ce rush pit. Elles sont pas très Ok, bons quand même, cette match game, hein, pour super. Fnatic. Hein. Ouais, ils arrivent pas. Leur stratégie pour tanker la Medusa fonctionne pas super bien. Allez, on envoie le shield sur Azor, là juste sur la Médusa. C'était compliqué de la tuer, autant vous dire que maintenant ça va être un petit peu plus dur. J'ai l'impression qu'on décide d'aller plutôt sur la top lane, essayer de récupérer cette dernière T2 qu'il reste côté Fnatic. C'est Essayer marrant d'aller parce qu'on chercher un aurait sac de ses bots plus. pour mettre l'Aegis, mais je pense qu'il pourrait la mettre l'Aegis à la place de sa BKB. Bon après il récupère le CD maintenant de BKB.
Ça donne quoi les CD avec la CDR là, le CD genre de ravage, 110 secondes, le refresh 140, gush 9 secondes, donc sans dégâts, hein. Encore pour le moment, et le smash 3 secondes, propre. Allez, on va des élus SD, on essaie de clean un petit peu tout ça, la fortification en contre TVP. On continue de faire des élus et on repart à l'assaut, il n'y a pas de problème. Ramsès qui décide de poser la BKB, est-ce qu'on peut récupérer Sidehunter? Oh. Bah oui. Je crois que c'est un petit peu fort la GSD1 pour casser les passifs et notamment... Pas trop mal hein. Ouais, notamment pour aller récupérer ce Kraken Shell ici. Qui ne sera pas impacté, on va mettre un premier ulti de la part d'Oyo. Est-ce qu'on peut en trouver un deuxième? Oui, pour le moment, il n'y a qu'un seul héros qui est mort. C'est la Médusa qui est avec AGZ l'immortel. Je vous le rappelle, dieback sur ce Tidehunter qui n'a plus d'ultimate de toute façon. On va faire des UPL côté Pacha. Style, il est toujours en vie également, même s'il a perdu pas mal de HP. Oh là là là, et comment tu t'en sors là-dessus sur ton deuxième side? Et comment tu t'en sors également sur le Rubik qui va exploser en effet à la fin de cette ulti SD avec les plus 500 dommages qui avaient été récupérés. Le Soulcatcher, je vous rappelle, qui était touché. Allez, le dernier side. Avec cette ulti d'Isa, il sort de le protéger. On a peut-être un petit ulti ancien apparition qui devrait pas proc sur grand monde. Si ça trouvait Envy, ça va permettre d'avoir un petit moment de temporisation. Et ça devrait permettre, je pense, à VP de récupérer ce side. Et les méga clips qui leur sont associés. Il y a eu quand même un doute hein, à un moment. Je crois qu'il n'y a plus trop de doute hein, là. Ouais, il y a eu un doute à un moment. Quand le PL a eu Tarask et Pedusa avec un butter. Mais bon, voilà, estompé avec la bagarre qui gagne. Je pense que là, Medusa, elle déconne pas trop, hein, cette Medusa. Ah, c'est pas mal, Johnny, en effet. Ah, bah, je crois que Andy il a compris que c'était pas trop mal en effet, il va tomber également récupéré par Noan. Pour le moment, on est toujours au milieu du teamfight de la part d'Abed. Est-ce qu'il arrive à récupérer Astal avant de mourir? J'ai l'impression que oui. Le GGO a été call en parallèle juste avant la mort de ce PL d'Abel. 2 à 1 pour VP qui n'est plus qu'à une petite game de la victoire, une petite game d'un titre de plus pour la line-up CIS.